Ah, ça ne, va, ça ne vous rappelle pas de petits souvenirs? Enfin, pour les quelques riches, hein, par-ci par-là de l'époque. Les riches gamers qui ont pu avoir la Mega CD, avoir la chance d'avoir la Mega CD, une console de fortune. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Passman, on est parti pour un rétro-test. Et oui, un rétro-test, mais incroyable! Un rétro-test! Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus que voilà, la nouvelle intro du rétro-test va être utilisée pour la première fois, alors qu'elle est plus si nouvelle que ça. Elle existe depuis un an, voilà, elle a été faite il y a un an. C'est magnifique. Ah, moi je trouve ça merveilleux. On va passer ça. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est du Sony pur jus, fait par Sega, enfin, et réédité, enfin, refait. Pour cette version Steam, parce que nous sommes sur PC, pour cette version Steam, refait, qui vaut rien du tout, qui vaut une bouchée de pain, une petite baguette de pain, ça coûte 1 ou 2 euros, peut-être 3 euros si c'est pas en solde, voilà, ça vaut vraiment pas grand chose, et si vous l'avez pas connu, bah, je vous conseille de foncer si vous êtes fan de Sonic, hein, forcément. Enfin, vous pouvez toujours le procurer, j'avais fait à l'époque le procurer sur émulateur, mais bon, c'est pas la même chose. Sur émulateur, faut faire des mille. Faut déjà trouver le BIOS pour le faire marcher. Le BIOS japonais, je sais pas quoi, là, pour le faire marcher. Plus anglais aussi, faut prendre les deux pour que ça marche. Trouver évidemment le fichier rare, le fichier ISO, pour lancer le jeu, forcément, ça c'est primordial. Et après, il faut configurer l'émulateur qui émule le Mega CD plus le Mega Drive plus Master System Fusion. Voilà, pour ne pas le nommer. Voilà. Et c'est compliqué. C'est à chaque fois, quand on relance un jeu Mega Drive et Master System, il faut tout reconfigurer pour refaire marcher le jeu Mega CD. Génial. Alors voilà, les jeux Mega CD à émuler, c'est vraiment chiant. Et du coup, forcément, moi, quand j'ai vu qu'il y avait cette version Steam. Bon, je me suis jeté dessus. C'est bien plus simple, on lance le jeu tranquillement, naturellement, et ça marche direct. Donc voilà, alors vous avez un mode commencer la partie, voilà. Nouvelle partie. Ou continuer. C'est logique. Contre la montre, classement, on s'en fout un peu. Et il y a les petits succès, voilà. C'est les petits rajouts de cette version. Steam. C'est pas réellement une version HD, je sais pas quoi. Enfin, le jeu est en HD, mais bon. Aussi pixelisé que la version Mega CD de l'époque. C'est juste plus net parce que c'est en HD, forcément. La résolution native est mieux. Là, voilà, forcément, une petite référence. Hein. 88 images à l'heure, voyage dans le temps. La première fois qu'on voyage dans le temps, parce que dans Sonic CD, on voyage dans le temps. Amy te serre dans les bras. C'est la première apparition d'Amy. Terminer le jeu, très compliqué, et détruire la machine finale du Dr. Eggman. Enfin, c'est terminer le jeu finalement. Voilà. Ouais, quelques petits défis, vite fait, hein, succès. On va commencer la partie. Alors, je sais pas combien de parties, là, comme vous pouvez le voir,
Attends, il y a combien d'émeraudes? Ah, il y a bien 7 émeraudes. Ah, parce que je me suis trompé du coup. Parce que j'avais déjà fait une prise pour ce rétro-test et j'avais dit qu'il n'y avait que 6 émeraudes dans ce Sonic CD et non, il y en a 7. Attendez, comment ça se fait ça? Je me souvenais qu'il n'y en avait que 6 dans le jeu de base. Peut-être qu'ils ont rajouté une en plus. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais plus pour ça. C'est très préparé, forcément. Et d'ailleurs, cette version HD, vite fait, qui a été portée sur Steam, a été faite par les mêmes gars qu'ont fait récemment Sonic Mania. D'ailleurs, dans cette version Steam, on peut choisir soit la version américaine, soit la version japonaise pour les thèmes. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont pas eu les droits pour la version japonaise, car on n'a pas les paroles de l'intro, finalement. Voilà, je vais vous mettre la version US. Voilà, la version US qui est un peu moins bien. Mince, je me suis trompé. Et qui est quand même pas mal, hein. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui préfèrent la version US que Jap. Bon, je vais effacer ça. Et vous allez voir que la musique est différente. Et je pense qu'ils ont eu les droits, là. Je pense qu'il y a les voix. Il y a la chanteuse, il me semble. On va voir ça. Ah bah oui. Ah oui, forcément. Les Amerlocs, ils ont les droits des Amerlocs, mais par contre, ils n'ont pas le droit des Jap. Hein. C'est plus compliqué. Ah bah, je vous laisse un peu, parce que ce thème est excellent. Voilà, franchement sympa. Bon, sauf la musique, je trouve très moyenne, là. Je préfère la version japonaise. Comment en changer, là? Comment on met les musiques? Ah, on est obligé de revenir vraiment dans le menu. Bon, menu principal. Oui. Bon, je vais remettre les musiques Jap, par contre. Je suis désolé, mais je préfère. Voilà. Mais par contre, la musique d'intro est vraiment bien. Mais voilà, on n'a pas les droits, enfin... Je sais pas si je vais vous le montrer maintenant, bon... C'est pas la peine, hein, vous pouvez le voir de toute façon sur YouTube. L'intro de Sonic CD, version Steam, en Jap, et vous verrez bah, qu'il n'y a pas le... Il n'y a plus la chanteuse, elle n'est plus là. Et les chanteurs aussi. Il y avait plusieurs... Il y avait plusieurs chanteurs dans la chanson. De la version en Jap. Mais par contre, il parlait pas en Jap, il parlait en anglais. Étonnant. Là, faut faire attention. Ah, je crois qu'il y a une petite animation quand on va là-dessus. Ah, voilà. Sympa. Petite animation reprise dans Sonic Mania après. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça, la paste que j'ai touché? Alors, je vais vous montrer vite fait si j'y arrive. Dans le passé. Faut prendre un peu de l'élan. Foncer comme un fou. Et là, je pense qu'on va pouvoir y aller, voilà. Et dans un bruit horrible, avec une image psychédélique, on change complètement de monde et on se retrouve dans le passé. Bon, alors, ça vole pas bien haut, hein. Évidemment, on est dans un jeu un peu limité graphiquement, du coup, forcément. Ils changent juste la couleur, des textures, et pouf, c'est bon, on est dans le passé, les mecs. Enfin, tout de même, quand même, sur Mega CD, ils auraient pu... Enfin, Mega Drive... Ils auraient pu
tout de même changer quand même un peu les décors. Ils auraient pu faire un truc stylé. Passé, présent, tout ça. Mais finalement... Bah, ils ont pas eu trop d'idées, je ne sais pas. Ah, j'ai détruit un truc, je sais pas ce que c'est. Et... Ah, c'est la fin. Voilà, je vais pouvoir vous montrer le niveau. Il y a toujours les stages bonus. Très sympa à parcourir. Bon, un peu compliqué. Ce qui a été bien fait dans cette version Steam, c'est que le jeu est fluide. Voilà. Alors oui, vous me direz que dans la version de base, les niveaux sont très fluides aussi. Hein. C'est 60 FPS à l'époque, c'était très bien. Mais pour ces niveaux-là, par contre, qui étaient en mode 7, voilà, une sorte de mode 7, que seul la Super NES pouvait procurer à l'époque. Mais par la suite, on avait la Mega CD qui pouvait le faire aussi. Bon, qui peut le faire d'une façon un peu moindre quand même. C'était mieux foutu sur Super NES. Et plus fluide surtout. Et ben là, c'est d'une fluidité incroyable. 60 images, il n'y a pas de ramage, voilà. Et ça, c'est dans la version que dans la version Steam, parce que hein, c'est pas la même chose quand on est sur Mega CD. C'est pas aussi fluide. Donc ils ont refait ça, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire au moins un petit truc de refait, hein, parce qu'il y a très peu de choses de vraiment intéressant dans cette version Steam. Quelques petits bonus à l'arrache, mais bon, c'est surtout des bonus qui font plus penser à ce que peut faire un émulateur. Quoi. Alors, je vais vous montrer ça. Même si c'est moins bien. Après, il y en a qui préfèrent. Parce que je vais pouvoir vous montrer dans les options paramètres. On peut changer le filtre vidéo en net, par exemple. Et en net, ça rend ça comme ça. Alors, perso, j'aime pas trop. Après, il y a encore autre chose, il y a... Si vous aimez pas trop net, vous avez Lisse aussi, qui peut faire l'affaire, peut-être. Qui rend le jeu flou, comme à l'époque, et c'est beau. Mais si vous voulez une version HD, mais qui fait un peu pixelisé, qui n'a pas de filtre, quoi, et ben vous avez Nostalgie. Voilà, parce que c'est comme à l'époque. Sauf qu'à l'époque, c'était un peu plus flou, donc finalement, le Nostalgie, c'est plus plutôt le... Enfin, le Lisse qu'on a vu, voilà. Mais c'est pas grave. Et il me semble aussi qu'ils ont vu un peu les couleurs. Il y a un peu plus de... Oui, oui. Ah mais non, c'est une certitude. Parce que forcément, sur Mega Drive, on était un peu limité en couleurs. Donc le jeu proposait moins de couleurs. Voilà. Ah, c'est... Là, vous voyez, ça pète à l'écran, il y a plein de couleurs. Et bah, ça, c'était un peu plus gris sur Mega Drive. Chope ça. On est invincible, c'est la fête. Alors ce que je reproche à ce Sonic, il n'est pas si bon que ça, est-ce que je l'avais dit au début. C'est un Sonic sympatoche, mais pour moi, un Sonic moyen. Pourquoi? Pas parce que les niveaux s'enchaînent en 2 secondes. Non justement, c'est plutôt pas mal, parce que dans Sonic 2, Sonic 2 c'est le meilleur, je trouve. Le meilleur Sonic de l'époque. Bon, maintenant, il y a Sonic Mania, que je trouve encore mieux. Mais... Si je vais dire, voilà, si je parlais que des vieux Sonic... Sonic 2, c'est le King. Que des Sonic 2D, mais de l'époque. Sonic 2, c'est le King. Parce qu'il a su... Il a su parfaitement bien amener... enfin, soutenir le rythme... des niveaux, finalement. Ils s'enchaînent... assez vite, sans que ça soit trop rapide non plus, et trop facile. Et ça, c'est plutôt bien foutu. Bon, là, on a combattu un boss un peu naze. Il suffit juste de se mettre à droite, et après, pouf, on bourrine, c'est bon. Un peu bourré, ce boss. Et le thème de boss est assez spécial, mais je le trouve pas mal. Je trouve sympa. Bon, oui, généralement, l'OST est plutôt bonne, hein. Enfin, que ça soit plutôt l'OST américaine, je la trouve bof. Mais l'OST, par contre, japonaise, est très bonne. D'ailleurs, nous les Français, nous avons eu la chance d'avoir l'OST japonaise à l'époque. Pour une fois, j'ai envie de dire. D'habitude, on se tape les trucs à Merlock. Et là, pour une fois, purée, on a les meilleures musiques. Et ça, c'est beau. Forcément, il fallait être riche à l'époque pour avoir une méga CD.
C'est un peu comme maintenant avec la PS4 Pro, même si... pour tout vous dire, la Mega CD, c'est une grosse arnaque. La PS4 Pro, c'est une petite arnaque. Au final, la PS4 Pro, vous la payez. Vous payez une deuxième PS4, mais... Bon, quand même un petit avantage derrière. Petit. Léger. Et voilà, je vais pas encore vous raconter ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. Il y a un petit piège. Alors que Mega CD, qu'est-ce qu'il y a eu en... Qu'est-ce qu'il y a en plus? Qu'est-ce que la Mega CD, grosso merdo, c'est une Mega Drive surboostée. Dit comme ça, tu te dis, oh, c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a plus de couleurs, c'est un peu plus beau graphiquement. Et ben non, en fait, qu'est-ce qu'il y a de mieux, finalement? D'un côté, c'est les musiques que vous entendez qui sont... Là, c'est pas des remixes, hein, c'est vraiment les musiques qu'on avait à l'époque. Hein. Ils ont pas remixé pour la version Steam. C'est vraiment les musiques à l'époque orchestrales comme ça qu'on avait. Enfin, synthétique plutôt. Peut-être avec un synthétiseur. Et... qui font franchement le taf. La qualité CD, quoi. Parce que les méga CD, forcément les jeux sont en CD, et du coup on pouvait faire de l'orchestral, faire des musiques de très bonne qualité comme ça. Et voilà. Mais c'est le seul truc, je pense, parce que les bruitages, c'est les mêmes. Ils ont pas changé ça. Et je pense qu'ils peuvent pas changer ça, d'ailleurs. Ça vient directement de la puce sonore de la Mega Drive. Sachant que la Mega CD a exactement la même puce sonore que la Mega Drive. Le seul truc qui est mieux pour la Mega CD, c'est que... Bah, support CD, donc support CD oblige, du coup on peut faire des musiques orchestrales. Voilà, c'est ce qu'il y a en plus. Mais le reste, par contre, c'est vraiment les mêmes bruitages. Niveau bruitage, on est pareil. Et niveau graphisme aussi, pareil. À part qu'on peut avoir quelques petits effets 3D, voilà, par-ci, par-là. Qu'on pouvait avoir déjà sur Super NES. Mais qu'il était impossible de faire sur Mega Drive. Ou alors, on pouvait en avoir dans Sonic 2, mais... c'était pas de la 3D, c'était dégueulasse. C'était les niveaux bonus de Sonic 2, ils étaient horribles. Alors que là, sur Mega CD, déjà c'est bien plus fluide. Bon, même si c'est pas plus de 60 FPS que vous avez vu tout à l'heure pour le bonus stage. Il faut faire gaffe. Ah, il y a Metal Sonic. Première apparition de Metal Sonic aussi. Metal Sonic a c'est une histoire assez tragique hein, finalement, mais c'est. C'est le Sonic du futur qui s'est fait avoir par le Dr. Eggman. Et d'après ce que j'ai compris, je vais dire la version trash. Hein. Dr. Eggman a rechopé les organes de Sonic, qu'il a tué. Pour en faire un robot finalement, mettre du métal par-dessus et hop, c'est Metal Sonic mon gars. Il a pu reprendre les caractéristiques de Sonic sans reprendre par contre sa conscience. Du coup c'est pour ça que Metal Sonic est méchant. Et qui est dirigé par Dr. Eggman. Voilà, bon, je vais peut-être un peu trop loin là. Enfin, c'est ce que veut dire en quelque sorte le jeu. Hein. C'est qu'il y a marqué, il me semble, dans la notice. Attention. Mais évidemment, j'ai dit en version trash. Hein. C'est pas dit comme ça. Peut-être qu'ils mettent jusque. Metal Sonic, c'est l'âme de Sonic dans un robot. Point. Voilà, c'est ce qu'ils mettent, hein, une connerie comme ça. Hop. Il me semble. Ou alors, c'est... Peut-être que je confonds, peut-être... Si ça se trouve, c'est juste un fan qui dit ça. Alors, il me semble qu'il y avait une histoire comme ça, là. Sur un notice du jeu, ça disait... Pourquoi Metal Sonic existe? Comment? Et mais pourquoi elle existe? Parce que, voilà, il fallait forcément une copie, à deux balles. D'une mascotte. Voilà. Forcément. C'était à la mode, à l'époque. Ouais, je sais pas ce qui se passe, mais je joue comme un PGM, là. Jamais réussi comme ça du premier coup, les deux. Allez, comme ça, les bonus stage.
Et là, ça se fait tranquille, je parle. Et je l'ai fait sans broncher. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, et on vient d'entendre le petit yes de Sonic. La première fois qu'on entend finalement le doubleur de Sonic, le doubleur attitré, c'est finalement c'est la même voix qu'on entend par la suite dans, sur Dreamcast, les Sonic Adventure. Ah, et ce boss est bien relou. Bon, là je me fais toucher, c'est magnifique. Ce boss est bien relou. Voilà, et j'ai envie de dire, écoutez-moi ce thème. Bon, c'était assez rapide. Ce thème de boss, je le trouve vraiment pas loupé. Après, vous en avez entendu très peu. Je peux comprendre par contre qu'un nez qui n'aime pas. C'est un peu spécial. Ça change complètement du thème épique qu'on avait sur les Sonic Basic Mega Drive. D'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit. Non, j'ai pas tout dit. Ce Sonic CD a été fait à peu près en même temps que Sonic 2. Mais pas par la même équipe. C'est pour ça qu'on a quand même quelques petites différences, comme par exemple le spin dash qui ne se fait pas naturellement dans Sonic CD, donc qui a été tout de même bien refait dans la version Steam, on arrive à bien le faire, le spin dash. Et sinon c'était compliqué de le faire sur support CD. C'est la version de base. Ce spin dash n'allait. Il se chargeait à 2 à l'heure, c'était pas pratique. Alors quoi, il y a mon chat qui m'énerve là, il est devant l'écran là, qu'est-ce qu'il fout là? Bref, c'est la vidéo qui part en cacahuète. Mais il y a toujours de la skill forcément. Ah purée. Fallait que je dise ça pour que je tombe dans la flotte. Ah, et aussi, ils ont enlevé le thème. Ah, ça c'est très grave. Ils ont enlevé le thème. Quand on se noie, voilà. Le thème quand on a le 5-4-3-2-1, qui est stressant. Et bah ils l'ont enlevé dans ce Sonic là. Le Sonic CD, je sais pas pourquoi. Je me suis fait toucher. Bon. Mais voilà, le point faible de Sonic, c'est le spin dash qui... Bon, là je joue à la version Steam, donc encore une fois... C'est... On a le spin dash basique de Sonic 2 dans la version Steam. Et si on joue à la version vraiment authentique, j'y ai joué sur émulateur, j'ai vu ce que c'était, bon Dieu, le spin dash il sert à rien. Non vraiment, genre faut attendre beaucoup de temps, hop, et pour qu'il aille vraiment pas vite, pour qu'il aille même pas à cette vitesse là. Là je vais déjà trop vite, par rapport à la version normale. Et donc c'est pour ça que il y a l'apparition de ceci. L'énorme dash comme ça. Ça permet à Sonic de courir très très vite. Il faut faire en haut et A. Et rester appuyé sur A. Et lâcher au bout d'un moment et vous allez très vite. Le problème c'est que Sonic court. Mais il se met pas en boule. Donc après il faut faire bas pour pouvoir défoncer les ennemis. Sinon vous n'êtes pas invincible en faisant ça. Pas comme le spin dash. Voilà, c'était tout pour les mouvements. Après, ça reste du Sonic classique, hein, niveau mouvement. Ah. Et dans cette version Mega CD, où on a quelques animations en plus, comme là, je pense. Voilà, quand il... Purée. Quand il bouge à moitié en 3D, ça, il me semble... Ça, c'est pas possible à faire sur Mega Drive normal, voilà. Enfin, c'est quelques effets en plus. Sur Mega Drive, il n'avait pas une animation aussi fluide en sautant sur les bumpers, voilà. Attendez, je pense que sur le bumper rouge, on va voir la version Mega Drive. Ah non, même pas. Non, il me semble qu'il fait toujours cette animation-là. Finalement. Bon, ça sert à rien d'aller là, en fait. Ah, c'est pour aller... Ah, c'est pour aller dans le passé, attention, on va aller dans le passé. Psychédélique. Encore plus psychédélique. C'est bon, ça se calme.
Et voilà, on a les thèmes qui sont un peu changés. Enfin, le thème qui est un peu changé. Mais bon, sinon, c'est que les couleurs qui changent, sinon, hein, véritablement. Moi, je suis pas trop attardé sur cette nouveauté de pouvoir voyager dans le temps. Finalement, c'est pouvoir voyager dans le temps pour changer juste la couleur du niveau. C'est super. Quel intérêt. Après, il y a des trucs, c'est qu'on peut détruire tous les méfaits de Metal Sonic. Oh, des fois, on peut le croiser, le petit Metal Sonic, dans le passé, là, ou le futur, je sais plus quoi. Dans le futur, plutôt. Ce qui serait logique. Bon, voilà, là, je mets du temps, mais bon, en temps normal, le niveau, on le finit en 2 secondes. On finit en 1 minute 30, 1 minute... On peut même le finir en 30 secondes, c'est vraiment... les niveaux sont très courts. Mais ils peuvent être longs. Car ils sont très, très labyrinthiques. Et c'est là d'où je voulais en venir aussi, dans les points faibles de ce Sonic, c'est le niveau, le level design, je le trouve, pour moi je trouve que c'est le moins bon Sonic à ce niveau-là. Au niveau du level design, car je vais être clair là-dessus, ça me fait trop penser finalement à un vieux fangame de Sonic, pas vraiment trop maîtrisé. Les fangames qu'on voit un peu partout, pas comme Sonic After the Sequel, mais je parle de fangame un peu obscur. Ça me fait penser un peu à ça au niveau du level design, c'est... On a l'impression que les développeurs, ils ne savaient pas trop où aller en faisant ce jeu, quand même. Ce qui est dommage. Ça reste un bon jeu de plateforme, mais c'est un mauvais Sonic. Voilà. Ou moyen, entre moyen et mauvais. Un mauvais Sonic 2D. C'est ça qui m'a un peu rebuté, c'est voilà, le level design qui est très... qui est spécial, quoi. Il y en a qui aiment, moi, personnellement, c'est pas trop mon kiff. Pour la skill. Voilà, il y a concentration là. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Faut pas tomber dans la flotte, sinon on perd beaucoup plus de temps. Oh là, la skill. Ah mais attendez, je vais limite faire une run là, avec toutes les émeraudes. Qu'est-ce qui se passe, j'ai envie de dire. Bon là on commence quand même à être ouais, 25 minutes comptant l'intro du jeu plus l'intro du rétro-test. Ouais bon allez, 29 minutes, ouais. Quasiment 30 minutes. Est-ce que je vous montre ce niveau? Ah ouais, ça c'est le boss. Et d'ailleurs la voix de Sonic qu'on entend en fond, je pense que c'est un peu... c'est un peu comment dire... Ça grésille un peu, donc je pense qu'ils auront pris juste avec la puce sonore de la Mega Drive. Mais ils peuvent aussi enregistrer des voix forcément avec le Mega CD. Pas que des voix digitalisées. Donc. Voilà, on a vaincu la première partie de ce boss. Et là, la spécialité de ce boss, bah, les boss sont plutôt pas mal, mais bon, c'est pas un truc de fou, c'est comme dans les autres Sonic, quoi. Il y a les bonnes petites trouvailles, mais c'est pas les trucs de fou. Ils sont quand même plus durs que les boss de Sonic Mania, encore eux. Donc voilà, celui-là, il faut... avoir toutes les bubules sans se faire toucher par ses tirs. Bon, elle est pas bien dure. Hein. Ah, là, on va bientôt l'avoir. Il va descendre, voilà. La musique est pas mal. Hein. Je trouve la musique des boss. Je l'aime bien. Hop. Puis, différents boss sont plutôt pas mal aussi. C'est juste le niveau. Ils ont pas trop de personnalité. Je trouve qu'ils se ressemblent un peu trop. Je sais pas, au tout début on était dans une sorte de Green Hill Zone, mais en... je sais pas, ça avait moins de personnalité qu'une Green Hill Zone. Et là je trouve que ce niveau-là, il ressemble trop à celui d'avant finalement. On dirait une sorte d'usine mais avec des diamants, enfin je sais pas. Ça fait trop cubique aussi les décors.
mais trop bordélique finalement. Il y a trop de couleurs qui pètent partout. Enfin, même dans la version Mega CD de base. Hein. Et finalement, c'est... Le truc qui fait que ça reste un jeu quand même un peu mémorable, c'est voilà, la première fois qu'on a des musiques de cette qualité dans un Sonic. Voilà. Les musiques sont vraiment excellentes. Alors c'est pas non plus des musiques mémorables, encore une fois, comme dans Sonic 2, mais il faut l'avouer que c'est assez impressionnant d'avoir cette qualité sonore, forcément. Bon là j'ai fait exprès d'un peu ralentir et de me faire toucher parce que je vais pas aller dans le passé ou le futur parce que ça fait perdre du temps. Et voilà, on a la fin. Vous voyez les niveaux se font assez rapidement si on arrive à trouver le bon chemin dans ce labyrinthe. Mais voilà, c'est un level design qui donne vraiment pas trop envie à speedrunner finalement, j'ai envie de dire. Alors, moi j'avais speedrunné à l'époque Sonic 2. Je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs. J'avais même speedrunné Sonic 4, hein, c'est vous dire. Même Sonic 4 m'a plus emballé que ce Sonic CD. Bon, après, je suis peut-être un peu dur en disant ça parce que le gameplay de Sonic CD reste authentique, à part le spin dash, mais sinon il reste bien. Ça reste. C'est la même béchamel que les premiers Sonic. Une bonne maniabilité. Une logique aussi au niveau des pentes, etc. Quoique, même si on n'en a pas vu énormément des pentes ici. Voilà, quand même une logique au niveau de la physique. Contrairement à Sonic 4 qui est complètement illogique, de bout en bout. Mon dieu. Bon, ça vous en avez entendu parler évidemment. Mais je trouve qu'il a son charme quand même, Sonic 4. Le fait que oui, il est bien trop cher pour ce qu'il est. Vraiment. Mais réfléchissons. Si ce Sonic CD, au lieu d'être à 1 ou 2 euros comme d'habitude, il est à 15 euros, comme Sonic 4, est-ce que vous le verrez de la même manière? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon là, forcément, il y a de la skill. Hop, petite esquive. On va bientôt arriver à un niveau plutôt sympathique, avec un level design assez original. Attends, on est déjà au boss de cette zone? Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ah ok. C'est la première fois que ça m'arrive, qui démarre pas direct. J'ai eu peur que c'était un plantage. Plantage de l'IA. Ah purée. Bon, ça c'est un boss qu'on ne peut pas toucher, il faut attendre qu'il s'autodétruit finalement. C'est assez original. Il y a des bonnes idées. Et c'est là que ça me fait dire quand même finalement que ça fait pas trop fan game bas de gamme. Car les boss sont quand même assez travaillés. Alors que dans un fan game, Sonic fan game. Même dans Sonic After the Sequel, les boss ils sont pas terribles. Hein. Donc là, on a quand même vraiment quelque chose. Ça, c'est original, c'est plutôt marrant comme boss. Ah, voilà, il est bientôt mort, voilà. Enfin, voilà, Sonic CD, c'est pas un jeu très compliqué. Hein. Vous voyez que les zones, ça se fait naturellement. Bon, après, je connais bien le jeu. Donc... Enfin, je l'ai fini 3-4 fois. Bon. Ça se passe plutôt bien. Et puis je suis un fan de Sonic, j'ai fait plein de Sonic. Voilà, il y a ça aussi qui joue. Mais globalement, le jeu est pas très dur. C'est plus facile qu'un Sonic 2 ou qu'un Sonic 1. Ou même qu'un Sonic 3. Je trouve Sonic CD plus simple. Clairement. Enfin, pas non plus trop simple, il y a de la difficulté.
Et là, la particularité de ce niveau, qui est plutôt pas mal par contre, lui, je trouve. Une, vraiment une bonne idée au niveau du level design, là, pour une fois. Je trouve qu'il a une petite identité, celui-là. Bon, malgré le fait que les décors se ressemblent un peu trop. Je trouve qu'il y a quelque chose, quand même, derrière tout ça. Bon, faut pas aller là, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça, il y a un level design assez original, car le l'objectif de ce niveau, c'est de jamais aller trop en haut. Et le problème, c'est que les plateformes d'en bas vous font ramener toujours vers le haut. Et si on va en haut, bah forcément, on est bloqué, il faut redescendre. Je trouve cette idée pas mal. Ah, purée. Ah, je voulais pas aller dans le futur, ou le passé, je sais plus. Voilà, donc je pense qu'on est dans le futur. Ouais, et puis vous voyez, les animations, comme d'habitude, elles sont vraiment pas mal. Les animations de Sonic. Il y a quelques petits rajouts parce que nous sommes sur support CD quand même. Attention, faut pas l'oublier. Mais globalement, ça se joue comme un Sonic Mega Drive. Voilà. Pas de grosses nouveautés quoi, à part les musiques. Puis voilà, le seul truc qui fait que le Mega CD c'est mieux qu'un Mega Drive, c'est le son, les musiques. Et c'est l'effet 3D, un peu l'effet d'optique 3D, qui est mieux réussi, qui ne rame pas trop, voilà. Qui est bien plus fluide, l'effet mode 7, qui est bien plus réussi sur, sur Mega CD. Mega Drive, on a eu qu'une fois, je pense, un effet mode 7, enfin, une sorte d'effet de mode 7. C'était vraiment pas terrible. Ça se passait dans Sonic 2. Voilà. Les spécial tâches de Sonic 2 qui sont assez moches. Seul truc loupé de Sonic 2 d'ailleurs. Voilà. Bon, là, ça va faire une vidéo très longue. Et bon, je m'en fous. J'ai des choses à dire. Sans Sonic, il faut forcément que la vidéo dure longtemps. Je vais vous montrer des trucs quand même. Je vais vous montrer le boss d'après. Et après, on va aller directement au niveau de Metal Sonic. Je vais pas vous montrer. Je vais pas vous montrer le boss Metal Sonic, mais juste vous montrer un peu son niveau. Et après, on va se quitter. On se quittera ici. Parce que franchement. Le thème de Metal Sonic purée, mais son niveau en tout cas est énorme. C'est le seul thème qui est très mémorable, je dirais, dans ce Sonic CD. Qui est à la fois space, stylé. Et ça fait plaisir. Purée. Et qu'on réentend dans Sonic Generation finalement. Voilà. Quand on combat Metal Sonic. Mais en version remixée. Ils ont un peu changé les notes. Ce qui est pas plus mal. Après voilà, là vous allez entendre la vraie version, la version d'origine. De ce thème que vous avez sans doute déjà entendu si vous êtes fan de Sonic, forcément. Hop. Là encore une fois, un niveau plutôt pas mal. Oula, je vais mourir hein, si ça continue là. Faut faire attention. Ah c'est bon, c'est la fin. Bon, 9 vies, je peux pas avoir au-dessus de 9 vies. Même si en réalité on est au-dessus de 9 vies. Hein. Si je perds par exemple, je serai toujours à 9 vies. C'est parce que le problème de Sonic, c'est que ça compte pas au-dessus de 9. Mais le jeu compte malgré tout au-dessus de 9, mais pas visuellement. Voilà, c'est compliqué à expliquer. Ah, et là faut monter, je pense. Là c'est un peu différent, là faut monter. Mais bon, le niveau est très court parce qu'on va avoir affaire au boss juste après. Qui est vraiment pas mal. Et là, pour une fois, c'est pas un boss qu'on... En bruinant, ça passe. Mais non, là, c'est un vrai boss. Ah, ici. Avec un peu de plateforme. Là, je le touche. Il est pas bien difficile, mais... si on peut mourir directement. Ah, purée. Voilà. Là, j'ai de la chance, mais... Ça peut nous écraser, ça. Attention, voilà. On le touche.
qui est bizarre, c'est qu'il clignote pas quand on le touche. Hein. On le sait que avec le bruit. Voilà. On a un petit bruit. Hop. Oula. C'est dur à esquiver. Oh purée! Bah oui. C'était la surprise. Bon, attendez. Je vais pas partir sur une défaite. Voilà, petit fail, forcément. Il fallait un petit fail. Mais voilà, ce Sonic CD, bah, il est sympa. Bon, voilà, je me dis quand même c'est un mauvais Sonic. Mais non, je suis allé un peu trop loin en disant ça. Il a une bonne replay value. Parce que je l'ai quand même refait 3-4 fois. Le problème, c'est que... c'est que les niveaux sont un peu trop labyrinthiques, c'est un peu trop n'importe nawak. Par moment. Et ça, dans un jeu... je dis pas quand c'est un Mario, mais quand c'est dans un Sonic, que ça soit trop labyrinthique, ça risque d'être un peu chiant. Avec ce gameplay. C'est pour ça que Sonic 2 reste toujours le king, parce que finalement c'est le jeu Sonic le mieux maîtrisé entre le côté labyrinthe et le côté... Bon, je l'ai tué. Vous avez vu, je l'ai tué. Alors c'est que j'étais pas tout le temps sur la plateforme, et du coup elle, j'étais pas... Comment dire, la plateforme a volé trop vers le haut, voilà. Il fallait que je sois toujours dessus pour pas que je sois écrasé au-dessus. Voilà. C'est compliqué à expliquer, mais j'espère que vous avez compris. Voilà, c'était le boss. Avec un petit fail à la fin, donc... Tiens, Metallic Madness, c'est peut-être celui-là. C'est un niveau encore après ça, mais c'est pas le dernier. Menu principal... Au pire, dans le contre-la-montre, je sais plus où. Alors c'est là. Bah non, ça c'est le début de l'autre. On l'a déjà fait. Ah là là. Ça se fait que je suis pas à la fin. Ou c'est celui-là alors. Ça a supprimé en reprenant Tails. Parce qu'au début, on n'a pas le choix. On peut prendre que Sonic. Après, on peut prendre Tails. Bon, c'est juste qu'on peut voler. Voilà, le gameplay Tails. C'est juste ça, il n'y a pas de rajout. Putain, je vais me mettre contre la montre. Voilà. Ah, c'est celui-là. Startup Speedway. C'est l'avant-dernier niveau. Alors, pourquoi on peut pas le faire? Allez, next. Bah, on y va? Non? Et comment ça marche? J'ai jamais compris le time attack, comment ça marche? Bah, pourquoi il veut pas? Start? Ah, go. Ok, il était complètement à droite. Voilà, donc là vous allez entendre le thème de Metal Sonic. En plusieurs phases, le thème. Car il est assez long quand même. Ah là, c'est la première version. Car ils l'ont remixé deux fois, voilà, pour les deux actes. Vraiment sympa ce thème. Puis le niveau aussi qui est vraiment cool. Assez labyrinthique, mais... qui est speed à la fois, donc bon. Là c'est du bon vieux Sonic comme on les aime. Bon, un peu trop dirigiste par contre, c'est vrai. Voilà, là c'est déjà fini. Un peu trop dirigiste, par contre. Ah, ça fait un peu trop penser à Sonic 3D finalement. Avec les Omega Attack, tout ça. Ah, c'est dirigiste. Ça va pas plaire aux vieux fans. Déjà fini. Ah, et c'est tout. Et que la zone 1. Alors, zone 2 comme ça, zone 3. Ok. Enfin, zone 3, c'est le boss, quoi. Enfin, c'est une petite partie, c'est un petit niveau de 10 secondes avec un boss après, quoi. Souvent, c'est ça. Donc, par moment, les niveaux peuvent être assez longs, il me semble. 30 secondes ?
C'est déjà un peu plus long. Ah, vraiment sympa ce thème. Très style jazzy. Stylé. Voilà, je passe par là. Enfin voilà. Ah là. Ça c'est ce que vous connaissez je pense. Ce que vous connaissez le plus c'est le refrain on va dire. Qu'on entend aussi dans Sonic Mania. Forcément. Sonic Mania reprend tout. Hein. On prend tous les toutes les bases de Sonic. Okay, vraiment, ce thème est excellent. C'est, je dirais que c'est le meilleur thème du jeu. Avec le thème de l'intro. Et je vous mettrai d'ailleurs la version originale, la version Mega CD. Et pas la version qu'on a, qu'on se tape sur Steam. Là, on a même plus sa voix. Bon, d'accord. Tout est normal. Bon, je vous mettrai la version originale. Mais avec les images de la version Steam, qui est plus nette. Car ils ont refait. Parce que même à la fin, il y a aussi une à la fin, une petite animation. Quand on finit le jeu. Tous ceux qui ont fait Mega CD. Tous ceux qui ont fait Sonic CD doivent comprendre. Il y a exactement la même sorte de cinématique. En animé, voilà. De l'époque. Après le générique. Ou pendant le générique, même. Enfin, Sonic, qu'on voit qui traverse tous les mondes en version animée, c'est assez stylé. La fin est vraiment un peu loupée de Sonic CD, par contre. Hein. C'est la meilleure fin que j'ai jamais vue dans un Sonic. 2D. Franchement, là, pour le coup, chapeau. Même la fin de Sonic Mania, elle est moisie, quoi, à côté. On a un vieux truc, une vieille image. Allez, c'est bon, c'est la fin. Ok. Moi, je m'attendais à un vrai truc, quoi. Un vrai truc en animation, comme on a dans la cinématique du début, et non. Ils n'ont pas fait l'effort de ça pour Sonic Mania. Alors, dans Sonic CD, on a un vrai truc à la fin. Mais on a quand même, je pense, 1 minute 30 d'animation, quand même. Comme au début, quoi. Mais vraiment bien foutu. Et impressionnant. Avec à la fin Sonic et Metal Sonic qui se combattent là, qui se font une petite course. Et c'est vraiment stylé. Tiens, j'hésite à le mettre. Je le mettrai peut-être. Si j'ai la motivation de refinir le jeu. Alors je pense que je vais le remettre. Voilà. Donc sur ce. Voilà, je vais le remettre après le rétro test. Voilà sur ce. Voilà, ce Sonic CD est assez spécial au niveau du level design, vous l'avez bien vu. C'est pour moi l'un des moins bons Sonic à ce niveau-là. Mais il reste tout de même quand même. Ça reste tout de même quand même un jeu de plateforme bien sympatoche. Et surtout les musiques sont vraiment plaisantes. L'OST. Sans que ce soit des trucs mémorables. Sauf évidemment à la fin avec Metal Sonic. C'est vraiment stylé. Bon, Metal Madness, le niveau Metal Madness est vraiment pas terrible par contre. Mais voilà. Là. Je dirais les seuls niveaux vraiment qui se démarquent, c'est le Startup Speedway. Il me semble que c'est Quartz Quadrant quand on monte vers les cieux. Ou alors, non, c'est celui-là, c'est Wacky, celui qu'on a fait juste avant. Et puis voilà. Alors que le premier, je trouve, il fait trop cubique. Enfin. Même le deuxième collision de Chad, il ressemble trop à Tidal Tempest aussi, qui ressemble trop aussi à Quartz Cadran. Il y a trop de ressemblances. Que ce soit au niveau du level design, un peu bordélique, et pas très, qui n'a pas trop d'identité finalement, à chaque stage, à part pour les deux là. Et enfin voilà, et puis je trouve que. Globalement, les niveaux sont trop. Ils sont trop allés vers le côté métallique finalement. Y a pas trop de nature à part le premier. Qui fait trop cubique quand même. Le premier il fait trop. Je sais pas, les arbres et tout, ça fait trop métallique quand même. Je sais pas.
pas comme Sonic 1, Sonic 2, c'est différent. On sent que c'est une autre équipe quand même. Ils ont peut-être moins la maîtrise. Enfin bon, ça reste quand même un bon jeu. On va se quitter sur voilà, cette bonne surprise qui est le thème principal de Metal Sonic. Sur ce, je vous dis à leur voilure pour de nouvelles aventures et pour de prochains rétro-tests. Turn it here.